fait une pause là en ce moment parce que j'ai ouvert là en 3 ans quand même un bistrot à Maussade, un restaurant à Montélimar, un restaurant à Courchevel et un relais château à Villeneuve-les-Avignon, tout ça dans les 4 dernières années. L'actualité peut-être, si vous voulez, c'est que le chef de mon bistrot là maintenant est très connu puisque c'est elle qui est une femme qui est arrivée en finale de Top Chef. Donc elle a maintenant son club de fans qui défile à Maussade pour la voir. Moi j'adore les rougets. C'est sûrement mon poisson favori. J'aime beaucoup les légumes et les petits pois. Surtout ceux de mon jardin que je peux manger quand ils sont comme ça. Je vais les cueillir, je peux les manger crus. En troisième, j'aime beaucoup les framboises aussi. Je pourrais manger des kilos de framboises. J'emporterais peut-être des pâtes. Moi, j'adore les pâtes aussi. J'aurais pu le mettre comme un de mes aliments préférés. J'aime bien le livre d'Olivier Rollinger, son dernier livre. Là. Je trouvais que c'était intelligent, bien fait, un peu différent. Puis j'aime beaucoup Olivier, c'est un ami, et je trouvais que c'était un livre un peu différent des autres. J'aurais bien aimé manger avec Talleyrand, parce que c'était un gourmet, et bon, c'est un personnage extraordinaire, qui avait beaucoup, sûrement beaucoup de choses à raconter. Les pâtes, de la sauce tomate, les sardines aussi. J'aime les Chinois et Tamina. C'est vrai que souvent, il n'y en a pas dans les cuisines. Il y a des Chinois, mais qui ne sont pas les Chinois fins. Moi, je parle des Chinois fins. Ça permet d'obtenir une onctuosité et qu'on n'a pas autrement, là.